Donc Cegid est une des premières entreprises éditeurs français en matière de logiciels de gestion. Donc nous sommes à peu près 2200 salariés et nous allons faire cette année un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes répartis partout sur le territoire français et on commence à avoir un beau développement à l'international. Aujourd'hui, ça fait partie des axes de développement qui permettent le développement d'une entreprise. On a vu pas mal d'enquêtes récemment qui sont parues et qui ont démontré que les entreprises qui investissaient dans le digital se développaient très nettement plus vite que celles qui n'investissaient pas. C'est de l'ordre de 20 à 30% de croissance en plus pour celles qui investissent dans le digital. Donc c'est absolument primordial pour le développement d'une entreprise aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il faut bien la réfléchir. Il faut bien pouvoir l'évaluer au sein de l'entreprise de manière globale, transversale, avec les collaborateurs. Moi, je dirais qu'il faut essayer de prioriser les projets. Alors, deux grands axes. Il y a l'axe évidemment business, dans lequel je vais réfléchir tout d'abord à savoir comment je m'affiche sur le web, avec un beau site internet qui présente mon entreprise et ce que je fais, et mes offres. Et puis après, je peux réfléchir toujours dans l'axe business sur ce qui peut développer mes ventes. Donc, est-ce que je mets en place un site d'e-commerce? Après, je peux réfléchir aussi à l'exploitation de mes données. Comment je peux exploiter ou mieux exploiter les données que j'ai sur mes clients ou sur mes prospects pour pouvoir mieux les adresser ou mieux analyser les données pour pouvoir mieux cibler les clients ou les prospects chez qui je vais lancer de nouvelles offres ou des emailings. Et puis, il y a l'axe de gestion, qui est aussi un axe important, qui peuvent être des optimisations internes. Alors, c'est aussi porté par tous les aspects, on va dire, légaux, hein. Si je fais la paye de mes salariés, je vais savoir comment je peux améliorer la digitalisation avec la mise en place des déclarations sociales nominatives, les DSN. Je vais réfléchir pour savoir comment je vais pouvoir mieux intégrer des processus digitaux qui vont permettre de gagner du temps ou de la productivité en interne. Je vais réfléchir sur mes aspects de sécurité, qui sont des problématiques de gestion également. Donc voilà, deux axes. Un axe business. Il y a aussi l'axe collaboratif dans l'aspect business qui me permet de pouvoir dialoguer avec mes clients ou mes fournisseurs au travers du digital et non plus de manière traditionnelle. Et puis l'aspect donc administratif, de gestion, d'optimisation de ma gestion, de ma productivité interne. On a trois marchés spécialisés. On est spécialisé pour l'équipement des experts comptables, qui étaient les métiers historiques de Cegid. Et là, on rejoint aussi l'accompagnement que peuvent avoir les experts comptables auprès des entreprises de 20 à 50 salariés, qui sont majoritairement la base de leurs clients. Donc là, on est leader en France, on équipe plus de 50% des experts comptables en France. Ensuite, on a un deuxième marché vertical qui est celui des collectivités locales, pardon, le secteur public, pour lequel on a des solutions dédiées, où on est aussi un des éditeurs leaders en France. Et puis on a un troisième marché spécialisé qui est le monde du retail ou le monde de la distribution. Et là, on est leader en France aussi, mais on a aussi une belle notoriété puisqu'on doit être dans les 4 ou 5 premiers éditeurs mondiaux sur le plan du retail. Voilà, ça c'est pour les marchés spécialisés. Sur le marché des entreprises, on a segmenté en trois: les entreprises de moins de 50 salariés, les entreprises de 50 à 500 salariés et les entreprises de plus de 500 salariés. Donc ici, on est majoritairement représenté avec des entreprises de moins de 50 salariés qu'on adresse essentiellement au travers de l'accompagnement des experts comptables qui peuvent proposer des solutions pour justement accompagner les TPE, les petites entreprises dans leur évolution digitale, mais aussi au travers de nos distributeurs qui agissent aussi, qui distribuent nos solutions. Et puis donc essentiellement avec des solutions de comptabilité, de paye, de solutions RH, des solutions de devis, facture, gestion commerciale. Et puis on adresse aussi les entreprises de 50 à 500, essentiellement soit par des forces commerciales directes, mais aussi beaucoup par des distributeurs externes, avec des solutions de gestion comptable financière aussi, et de gestion de production, gestion commerciale, gestion des affaires. Et puis les entreprises de plus de 500 salariés, on les adresse au travers de deux axes. L'axe des directions financières, avec des solutions de finance
fiscalité, consolidation, intégration fiscale, etc. Et puis l'axe des directions de ressources humaines, avec des payes, gestion de ressources humaines et des talents. Voilà un petit peu comment... Bah écoutez, merci. Alors, et dans chacun de ces domaines-là, excusez-moi, dans chacun de ces domaines-là, évidemment, que ça soit aussi bien dans le domaine de la gestion, de l'optimisation, de l'analyse des données, des sites internet, du web, du collaboratif, on apporte beaucoup d'améliorations, beaucoup de nouvelles offres, et aussi bien sur le plan de la partie administrative, optimisation interne, dématérialisation des déclaratifs, etc., où là aussi, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles solutions aujourd'hui.